dénonce tout bas l'injustice, mais surtout pour dénoncer la menace qui nous pesait dans notre démocratie. Parce que la démocratie mauricienne est en danger, comme on nous dit à plusieurs reprises. Il y a des gens qui peuvent accaparer tous les pouvoirs, et ça, c'est bien, bien grave. C'est la dictature qui peut installer, la pourriture est déjà là, et le Parlement qui nous reste fermé pendant tout ce mois-là, qui peut coûter nous. Le peuple, plus que 25 millions par mois, nous, au Parti Justice Sociale, nous dit arrêtez avec sa qualité pourriture là, lève paquet, allez. Parce qu'il nous dit qu'il nous est capable d'amener une vraie justice pour tout le monde et nous est capable de rendre le Parlement au peuple. Comment un leader de l'opposition est capable de vendre un militant coltard à ce point-là pour le faire gouvernement? Aucune part dans le monde pas finir dans ça. L'unique, juste dans Maurice, qui trouve un Michel qui est capable d'être leader de l'opposition, qui marche avec le premier ministre pour faire le gouvernement. Vous êtes membre fondatrice du mouvement Liberté, comment peut-on l'avenir pour sa partie-là? Ben, je préfère pas faire commentaire. Je crois que tout le monde connaît ce résultat. Je peux la guerre ticket de l'autre côté. Je peux faire cette politique dynastique de l'autre côté. Je peux faire tout ce qu'ils ont habitué à faire avec tout ce malpropreté, avec ce pourriture. Nous, pas pour faire politique de mensonges et de magouilles et de corruption. Nous, pas pour citer l'âme et la conscience des bandes du monde. Nous, peut demander tout le monde de donner un coup de main à un nouveau parti qui peut lever, qui peut dire enough is enough. No nonsense with us.